pas eu beaucoup de succès ces derniers temps. Mais là, ça va tout changer. Je dois seulement faire des tests pour m'assurer que ça marche. La secte envoie ses anges cueillir les fleurs de grâce dans une ferme près d'ici. C'est là qu'il faut aller. Au fait, ces monstres ont facilement peur. Allez-y discrètement. Placez l'appât et mettez-vous à l'abri. Je suis sûr à 75% que ma formule est correcte. Alors, bon, pas d'imprudence. Officier, tout est prêt pour un essai. Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine sur Far Cry 5. Évidemment nous en sommes à l'épisode 17 et qu'est-ce qui met, ils sont totalement cinglés ici. Et on devait tester des choses avec un nouvel appa. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti, on va s'en équiper. Je sais pas ce que ça va donner mais ça va être terrible. Mais calmez-vous, calmez-vous. Alors je vais pas vous cacher qu'avant le record j'ai tiré au pistolet pour taper une barre. C'est le bordel hein, c'est le bordel, il y a tout le monde. Regardez, ils sont tous abrutis, il y en a pas un qui regarde dans la même direction. C'est terrible. On se casse, on y va évidemment en hélico. Et il a, oh il a parlé de discrétion. Ça me parle, là les gars, discrétion. Avec mon petit sniper, ça me parle plutôt bien, on va y aller calmement. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un hulucopter rien que pour ça? Oh oui, oui, il y a une mer de mort à traverser. Ok, on va le faire en hélico calmement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous attendez avec impatience chaque épisode. On est parti, j'ai 4000$, c'est pas mal. Mais cet hélico est bien aussi, donc franchement, est-ce que ça vaut, d'après vous, vraiment le coup d'acheter un autre hélicoptère, sachant que celui-ci est gratuit? C'est, hey, c'est vous les chefs, c'est vous qui me dites. Allez, on y va, mission infiltration, rejoignez la ferme. Je vais me poser à côté, vous inquiétez pas, je vais pas me poser au-dessus, parce que sinon je vais me faire cramer. Et on va voir ce que ça a donné. Mais si on pose l'appât, le mec il va péter les plombs, il va quitter l'école. Ok, on va se poser par ici calmement. Très très bien. Il y a déjà, je vois déjà du monde. Ne tuez que les membres de la secte. Je voulais juste vous rappeler de ne pas déranger les anges. Si vous les contrariez, vous ne pourrez pas tester l'appât expérimental. Ils l'ignoreront et vous aurez une horde enragée sur le dos. D'accord, très intéressant. Ne tuez que les membres de la secte donc. Je ne dois pas toucher ceux qui sont infectés. Ok, hop, normalement, voilà, on meurt pas d'ici, je connais bien les gars. 4 situations, prise de conscience. Ok, on est parti. Ah oui, mais attendez, ça, ça va me mettre dans un état, frère. Oh, doux Jésus. Ok, eux, je dois pas les tuer si j'ai bien compris. Eux, je dois pas les tuer. Ok, il est en panique totale. J'ai envie de tirer à travers, mais je sais pas s'il y a un arbre ou autre. Ça, c'est un brisage de nuque. C'est la merde, hein. C'est la merde, je vous avoue que j'ai pas... Je vais mourir dans d'atroces souffrances. Aïe aïe aïe, j'ai chié, je suis désolé les gars, on l'a refait, on l'a refait. Pause, 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 on va la refaire les gars. J'ai totalement chié, il faut le dire, il faut le dire, il faut pas avoir peur. Là, j'ai déconné, j'aurais pas dû, jamais de la vie, comme on dit bien évidemment. On est parti, on y va. Full infiltration, c'est maintenant. Oh quoi? D'où Jésus? Attendez. C'est le doc. Je voulais juste vous rappeler de ne pas déranger les anges. Si vous les contrariez, vous ne pourrez pas tester l'appât expérimental. Ils l'ignoreront et vous aurez une horde enragée sur le dos. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde. L'hélico, j'avais pas prévu ça. Regardez comme ça va être beau. Hein. C'est terminé. C'est terminé pour l'hélicoptère. Ok. J'ai peur, j'ai peur. Le parachute. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'en sort plutôt bien. Ok, il y a lui là-haut. On va pas faire celui du milieu parce que forcément, il va attirer l'attention de tous. Cette fois-ci, on va faire celui tout au fond là-haut. C'est pas mal ça. Hein. Ça, c'est pas mal de ouf. Hein. Ok, je pense quasi
les avoir tous tués, peut-être lui. Attendez. Est-ce qu'il a... Il a l'air d'avoir des mouvements rectilignes. C'est qu'il... Ce mot n'a pas sa place ici, bien évidemment. Ne tuez que les membres de la secte, c'est fait, les gars, non? Ok, c'est totalement fait. Il reste qui là-dedans? Il reste qui là-dedans? Ne tuez que les membres de la secte. Eux aussi, donc. Ah non, d'où Jésus. Ok. C'est la merde, hein. C'est la merde. Il a fait une visée, hein. Ça, c'est fait. Placez la pas. Ok, on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts ou pas? Ok, on va le placer. Ok. Mais pourquoi on doit le tester sur quoi, là? J'ai pas compris. Eux, ils m'ont pas cramé, hein. Oh, d'où Jésus? C'est pas là-bas, ça. Ok, ils sont tous tournés vers moi. Oh, j'ai chié, fallait que je m'approche. Ok. Je pensais qu'il fallait juste le jeter. Oh, mec, il est trop bien posé. Ça va ou quoi? Eh, hey, les gars, on pique-nique un coup. Ça, c'est le pique-nique quand t'as fini Rebou le samedi. Ok, je sais pas ce qui va se passer. Avouez que j'ai quand même jeté un appât et un loup il est sorti nulle part, frère. Atteignez le toit de l'abri. Ok. C'est Walking Dead ou quoi? Il va se passer quoi, les gars? Là, je me pose quelques petites questions si je peux me permettre. Officier, mauvaise nouvelle. Je suis quasiment sûr d'avoir ajouté l'adrénochrome à l'appât. Seulement voilà, j'en ai une fiole remplie sous les yeux. Du coup, j'ai un gros doute. J'ignore à quel point ça affectera le résultat. Tant que vous n'avez pas placé l'appât, on peut réfléchir à un nouveau plan. Laissez-moi une petite seconde. C'est fait, hein? Attention, attention. Ok. Attendez, 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 attendez. Les gars, hasta la vista, baby. Ça, ça dégage très vite, hein. Ça dégage très vite. Aïe, 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 mes armes, elles sont où? Info? Info? Ok. Ça ne tue pas, hein. Ça ne tue littéralement pas. Lui, il est full triso. Ok, les animaux, on m'a dit de pas y toucher. Ça, c'est fait. Officier, j'ai compris. J'ai trouvé l'erreur dans la formule. Il nous faut davantage de phéromones issus de sujets sous l'effet de la grâce. Je peux en extraire de la peau des animaux qui ont été exposés. Récupérez ce que vous pouvez et ramenez-moi les nouveaux échantillons. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. Je suis sûr à 75% que ça marchera. Non mais il est sûr à 75% à chaque fois, c'est terrible! En d'où Jésus! Rassemblez de la peau de grizzly et récupérez deux peaux de moufettes intactes. C'est pas mal, elles étaient là les moufettes, les gars. Elles étaient là. Ah! Ah, il y a la jeune demoiselle qui va me mettre ce que je mérite. Yeah, peau de moufette. Ok, on est bon là. Ok, on est bon, maintenant de la peau de grizzly. Elle est où la demoiselle là? Elle est où? Elle avait, elle est apparue. J'aimerais bien aller la voir. Et de la peau de grizzly, c'est pourquoi? Ah, c'est pour l'étude clinique. Très bien. Bon, c'est juste à côté. Ça va, on n'est pas loin. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Je la sens mal, hein. Là, on est dans la zone de chasse. Quoi? Ok. Je sais à quoi tu joues. Ok. Ok, très bien. Il faisait des roulés-boulés. C'est son petit kiff. Très bien, ça c'est fait. Plus qu'un, et on est bon. J'ai hâte de quitter cette région, hein. Les alus, c'est horrible, hein, vraiment. Ok, il y a déjà plus de peau de grizzly, là, les gars. Peau de grizzly, s'il vous plaît. Allez, re tout le monde. On est donc reparti pour une quête principale. Je vous cache pas que trouver des peaux, ça me casse les couilles. On va le faire, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même hâte de me barrer de cette putain de région. J'ai des alus tout le temps. Le gars, je suis là, je vois un asticot, ça devient un cheval, frère. C'est n'importe quoi, avouez que c'est un petit peu abusé. On va aller libérer Moonflower,
un nouvel élite qui est juste en face, hein, finalement. Il est sur le toit. Est-ce que je peux passer par ici? On va voir si je peux passer par là. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous donner. Ça fait partie, évidemment, des quêtes principales. Donc, on va libérer le préau. Mais calme-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as de mon malade, tu vois. C'est pas vrai, hein? Moi, c'est Charlemagne Victor Beauchot. Mais si tu préfères gagner du temps au quotidien, tu peux aussi m'appeler Sharky. Bienvenue au Disco Inferno. C'est le seul endroit où je peux être moi-même sans être emmerdé par mon agent de probation, ou des témoins, ou des agents des forces de l'ordre comme toi. Ici, je peux laisser parler les flammes et le chaos en quel but. Sans m'inquiéter pour l'environnement. Enfin, là, j'ai un fut, ok. Mais tu sais, à tout moment, il peut disparaître, hein. On va savoir ce qui peut se passer. J'ai un système audio prêt à cracher la meilleure musique jamais créée à 110 décibels. À chaque fois que je le pousse à fond, les anges de la secte débarquent à toute vitesse et j'arrive pas à savoir s'ils aiment ou ils détestent, mais en tout cas, ça me fait plaisir de leur faire fondre la gueule. Mais t'en fais pas, les anges ont déjà le cerveau en friture. Je leur fais juste l'honneur de les envoyer au paradis du disco en beauté. T'as envie de m'aider? Tu verras, on s'éclate et ça restera entre nous. Tu peux même enlever ton froc si tu veux. Je vais lancer la musique et les faire danser au lance-flammes. Et toi, tu prends ton... Je sais pas ce que t'as sur toi, là. On va griller des culs! Mon chibre, peut-être. Est-ce que tu voulais parler de mon chibre? Allez, on est parti, allumez le feu! Alors là, ça va être très intéressant. Calme-toi, Johnny, hein. Rip Johnny, mon frérot, hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu es le plus d'anges possible. Ah! Allez. Ça, c'est beau, ça! J'ai envie de les faire à l'appel. La vie de ma mère, j'ai envie de les faire à l'appel. On fait le délire ou pas? On suit le délire jusqu'au bout? Allez, mon pote! Bam, ta gueule! Et coup de perle! Coup de perle! Coup de perle! Allez, ça, c'est l'épisode du coup de perle! Avec... Oh, relève-toi, mon frère, aussi, viens, mon poteau. Ils sont où, les autres? Ils sont où? J'arrive, les gars. Alors, attendez, il y a un truc qui me stresse. Bougez pas. On va retirer la marque du grizzly, là, qui est insane. Hop. Non, mais attends, on va retirer ça, voilà. Ok, ils sont où, les autres? Ok, ils arrivent. Yo, les gars, on est parti. Boum. 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 Allez, ça dégage. Coup de perle. Coup de perle. Coup de perle. Là, c'est énorme. Ah, ça, c'était la meilleure idée du siècle. Attends, tu vas te planquer derrière. Quoi? Ok, ça en prend. Hop, coup de perle. Oh, il l'a arraché. Ok, ça c'est fait. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est? Coup de râteau. Coup de râteau. Non, c'est coup de pH. Coup de pH. Ok. Coup de pH. Coup de pH. Dans ta gueule. Coup de bêche! Oh, mais ça c'est expéditif, hein. Je préfère la perle! Je préfère une perle! Je préfère une perle! Coup de perle! Coup de perle! Ok! Coup de perle! Ok! Ah là, faut désactiver quoi là? Ah, mais faut désactiver la musique qui vient à. Oh là là, d'où Jésus! Ok, on va désactiver ça très très vite! Ok. Ah, il y en a un partout. Oh, mais c'est terrible. C'est bon, heureusement. Heureusement que mon cougar, c'est un monstre, le bordel. Ok, ça en désactive aussi. Attends, attends, quoi, 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 quoi? Pardon, les tarés, on ne se comprend pas. Ok, ça c'est par où? C'est par ici. Oh. Là, on va faire moins les chauds. Le verrouiller. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et la cible. Aïe! Tu vas regretter, comptez pas noyer dans la carte. Aïe 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 aïe. Ok, ça c'est fait. Ah, stop, stop, stop. Allez, 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 arrête de reload!
Ok, on est bon, sécuriser la zone, bah oui, forcément, hein. Vraiment, quel abruti celui-là, hein. Il est où le con? Hop, coup de perle! Coup de perle! Coup de perle! Coup de perle! Pas vrai, hein! Oh, c'est beau ça, que des noscopes. C'est beau ça. Bon, bah c'est terminé, il en reste plus qu'un. Normalement, si tout va bien. Ok, lui il est en courant, il a l'air déterminé. Hein. Il a l'air déterminé, il va prendre ce qu'il mérite. Je suis derrière, regardez. Ma, il n'y en a comme pas. Coup de. Oh, c'est le plus long coup de pelle du monde. On a bien ri. C'est con que tous les flics soient pas comme toi. Qu'est-ce que je peux te dire, amigo? Toi et moi, c'est l'oxygène et le gasoil. On fait un putain de mélange. Ok, faut que t'y retournes. Appelle-moi la prochaine fois que t'affrontes des anges. Allez! Allumez le feu, mission complete. Et franchement, cette mission, les gars, cette mission était bien sympa. Je sais pas vous, mais cette mission était très sympa. Calme-toi, tu vas te faire un torticolis. Ok, bon, il nous donne, pardon, un lance-flamme. Pas très intéressant. Non, faites un effort, les gars, s'il vous plaît. À chaque fois que Sharky Bouchon foire une cascade à la mort moelle-neux, je serai millionnaire à l'heure qu'il est. Après, c'est un vrai battant, et il déteste Eden's Gate. Pas faut pas faire la fine bouche, quoi. Oh, où Jésus? Mademoiselle? Oh, mais fais que disparaître! Kidnappe-moi, emmène-moi, torture-moi, bordel! J'attends que ça! Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste un élite. On a pas mal de quêtes ici. Les péchés du père. Convoi armé. Ah ouais, convoi armé, tu sens que ça va être bien lourd. Hein. Mais lourd dans le sens très lourd, tu vois? Peut-être même trop lourd. Allez, on est parti, on va stepper, on va prendre un hélico. Et on va faire la quête à l'autre bout du monde, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est donc parti au fin fond de la région de Faze. Vous étiez nombreux à m'avoir parlé d'une maison, apparemment clin d'œil au film Ça, le clown, hein, vous l'aurez compris. Je suis très intéressé et on va aller le faire, d'accord? Pas dans cet épisode et peut-être pas dans le prochain, mais je n'oublie pas, vous êtes tellement nombreux à m'avoir parlé de cette maison, comme quoi elle était incroyable. Je vous promets qu'on va le faire. Ok, c'est carrément un avant-poste. C'est carrément un avant-poste étant donné qu'il y a de la fumée. J'ai bien lu vos commentaires, hein, comme quoi, les gars. Oh oui, d'accord, il y a poste radio, il y a tous les bails. Très très bien, c'est totalement un fucking avant-poste. On va atterrir et on va essayer de se la faire discret pour terminer cet épisode. Ça serait pas mal. Ça serait même beau jeu, je dirais. Ok, on est parti. Bon, déjà, on va défoncer la radio. Premier truc à faire, très important. Les radios, parce qu'il y en a plusieurs. Oh puis... Ah, trop bien, on va avoir notre petite musique des amours. Officier, ici Virgile. Une fois à la serre, vous devrez la nettoyer. Je vous conseille de brûler les champs de grâce. Ça devrait convaincre Finet de se montrer. Bonne chance. Il y a du monde un petit peu partout. On va essayer de le faire discrètement. Dieu ! Ok. C'est pas mal ça. Hein. Vous en pensez quoi? J'ai trouvé ça pas mal perso. Très belle action de la part du joueur franco-allemand. Ok. Moi ce qui me fait peur c'est la radio. J'ai peur qu'elle... Oh il y en a deux en plus. J'ai peur qu'elle soit activée. Ok. On va faire le tour, calmement. Un cougar, juste là! Ok, je suis mort. À moins que j'arrive très rapidement. Je suis mort. Des renforts ont été appelés. C'est terminé. Ça va être compliqué cette histoire.
Ok, je vais avoir besoin d'aide, les gars. Maximum d'aide pour un maximum de plaisir. Ok, lui, il est mort. Ça va être compliqué, cette histoire. Vache! C'est qui tire à balles réelles, là? C'est un monstre, à mon coup de gars. Ok, on va passer par ici. Ah, ça s'est pas passé comme prévu, je vous avoue. Niveau infiltration, c'est chiant quand même qu'il te repère, entre guillemets, aussi facilement. Ça gâche un peu le plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ça gâche même totalement le plaisir. Ok, là, on peut pas passer. Ah, elle est là, la dernière alarme. Ah, je suis tellement deg. Ah, je suis tellement deg, les gars. Je vois pas où ils sont. Hein. Lui, il est mort. J'ai dit, lui, il est mort. Ok. Il y a du monde un petit peu partout. On essaye de slalomer. On fait des zizous. Oh, d'où Jésus ? Oh, mais ils sont partout ! On dirait le mode zombie ! Ok ! Ok, bougez pas. Molotov, ça me paraît pas mal, ça. Il m'a dit de les brûler, ça marche pas. Ok ! C'est bon, là, non ? Oh là là, je suis tellement deg. Ils sont combien? C'est pas vrai. Ah ouais, d'accord, non mais lui c'est un suicide hein. C'est totalement un suicide de la part du joueur. Ouais, non mais c'est bon les gars, c'est bon, stop. Ça, ça brûle très vite. C'est bon là, non? Putain, mais c'est pas vrai. Je m'accroche à la vie. Yes! Oh, je me suis relevé instantanément! Officier, vous avez l'air d'avoir des ennuis. Faites attention. Et n'oubliez pas, vous devez brûler les champs de grâce. Ça fera sortir Finette sa tanière. D'après ce qu'on dit, Rachel Jessop aurait donné sa serre à la secte il y a déjà un moment. Elle a pas dû se méfier des Dunsgate, j'imagine. Ou alors elle s'en foutait. Il paraît que c'est là que ces tarés ont compris comment transformer leurs fleurs en grâce. Les anges, les juges, le brouillard. C'est dans cet endroit que tout a commencé. Heureusement que t'as mis un terme à tout ça. Je vous avoue, j'ai pas trop compris. Ça a pas l'air de vouloir brûler. Il faudrait peut-être un lance-flamme. Je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer de voir le prix du lance-flamme. Si c'est trop cher, les gars, moi ça va aussi. Hein. Les gars, pour une mission, si je suis obligé d'acheter une arme, ça risque d'être un peu compliqué. Allez, lance-flamme, fais-moi rêver. Oh la vache. Ça, c'est des belles... Ok, c'est bon, je peux l'avoir gratos, aucun souci. Il est en stock, je vais le mettre à la place de quoi? À la place du pompe. Allez hop, bah les couilles. C'est bon. Allez, on va tout cramer et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode spécial coup de perle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Pourquoi ça ne brûle pas? Pourquoi ça ne brûle pas? Bien sûr, vous allez me dire, mais parce qu'il y a de l'eau. Ok, c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire. Alors, comment les brûler? J'en ai fichtrement aucune idée, les gars. Donc, on verra la prochaine fois. J'ai réussi à en brûler un, mais pourquoi j'arrive pas à brûler les deux autres? C'est terrible tout ce qui se passe là. C'est totalement terrible. Allez, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.